Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Et bien salut tout le monde, c'est PodGamer172, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui je suis très heureux de vous proposer cette vidéo sur un unboxing et un test tout simplement du nouveau clavier Klim Lightning, enfin du nouveau clavier, du clavier qui est déjà sorti. Mais en tout cas j'ai reçu ce produit gratuitement pour pouvoir vous le tester grâce à la marque Klim. Donc je vous mets tous les liens des réseaux sociaux, les liens du produit, etc. dans la description, ne vous inquiétez pas. En ce moment là même, je le déballe, vous voyez qu'il y a plusieurs fiche d'information avec ensuite le livret d'utilisation du clavier. Donc c'est un clavier qui est tout en métal, donc le contour est en métal avec des touches différentes et des touches intelligentes rétroéclairées. Donc c'est vraiment parfait, je vous montre ça juste après. Donc je vais sortir le clavier de l'emballage de protection et voici comment il se présente. Il est tout en métal sauf les touches qui sont en plastique bien évidemment. Alors il est vraiment parfait, il est vraiment très très beau ce clavier. La finition est vraiment parfaite pour tout simplement 40€. C'est vraiment un très très bon clavier, je vous le conseille. Le rapport qualité prix est vraiment magnifique. Vous pouvez voir les touches là en ce moment. Donc là elles sont bien finies, bien travaillées. Le bruit est vraiment aussi parfait quand on appuie sur les touches. Ce clavier permet aussi de poser votre téléphone. Il y a juste une encoche prévue à cet effet, comme vous pouvez le voir juste en ce moment. J'ai mis une coque de téléphone parce que je filmais tout simplement avec mon téléphone, mais vous voyez que ça tient parfaitement, donc c'est très très pratique. Derrière vous avez les encoches pour le lever et qu'il reste un peu plus en hauteur. Le câble, c'est un clavier USB qui est vraiment tressé, donc c'est un câble hyper solide. J'ai déjà testé une fois de tirer un peu dessus et j'ai déjà pas mal d'objets de la marque de chez Klim, comme le casque Klim Impact avec ce type de câble, c'est vraiment parfait. Derrière vous avez l'attache pour pouvoir arracher tout simplement les touches, donc si jamais vous voulez changer vos touches, etc., c'est possible avec cette attache qui se trouve derrière le clavier. Vous pouvez l'arranger tout simplement, et comme je vais vous le montrer là juste en ce moment, vous pouvez lever les deux leviers pour mettre le clavier en inclinaison un peu plus haute pour votre poignet tout simplement, et c'est une bonne chose. Donc les finitions sont très bien faites, c'est très solide, en tout cas ça fonctionne très très bien, c'est vraiment parfait pour du gaming. Une fois que le clavier est branché, ça la donne ceci. Vous voyez qu'il est éclairé en bleu. Et tout simplement pour changer les couleurs, il faudra appuyer sur le bouton FN plus l'ampoule qui est juste à côté, comme je l'ai pu le montrer juste dans la vidéo que vous le voyez là. Et il y a 7 couleurs à choisir, donc c'est plutôt parfait. Je vais maintenant vous dire les caractéristiques du produit. Donc c'est un clavier semi-mécanique. Donc le nom du produit c'est le Klim Lightning. Donc c'est un clavier interface USB tout simplement. Donc le câble USB mesure 1,8 mètres. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 7 couleurs qui peuvent être choisies. Tout simplement sur le clavier. Donc le panneau est en métal, donc le clavier est en métal sauf les touches bien évidemment. Il y a une touche intelligente, donc c'est le bouton FN, et le poids est de 1 kg plus ou moins, donc ça va. Je vais maintenant vous montrer le bruit que ça fait lorsqu'on écrit avec un clavier ou lorsqu'on joue par exemple. Donc je peux écrire comme ceci. Donc là je ne sais pas si on va l'entendre. J'ai le par exemple le clavier de chez Klim Lightning, et là j'enregistre avec le Blue Yeti tout simplement ma voix, et pour voir si par exemple quand vous êtes sur Fortnite ou un jeu, hop, juste la barre d'espace qui fait hop un peu de bruit avec le ressort. Ça c'est un peu dommage, mais sinon le reste des touches c'est assez agréable. Elles sont assez pas lentes mais assez agréable à appuyer, le bruit. Je sais pas si vous pouvez l'entendre. Et c'est plutôt agréable tout de même.
pour écrire, pour jouer à des jeux. C'est vraiment parfait. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si jamais vous avez aimé, si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce genre, si jamais vous voulez d'autres unboxing et tests de produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez dans les commentaires. Je vous ferai ça avec plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était iPod Gamer 172. Allez bye tout le monde, ciao.